Tout de suite, nous allons faire le tour des kiosques à journaux en Côte d'Ivoire, cette fois-ci avec notre correspondant Thomas Ehoman. Bonjour Thomas. Oui, bonjour Pape. Alors Thomas, qu'est-ce qui fait la une du quotidien national? Alors ce matin, nous sommes dans la commune de Cocody, à quelques encablures du centre hospitalier universitaire et non loin de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, la première université du pays. Et dans les kiosques à journaux, plusieurs titres à l'affiche. Nous mettrons l'accent sur le quotidien gouvernemental Fraternité Matin qui titre ce matin à sa une « Échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, ça roule à partir du 16 décembre ». Il faut rappeler que les travaux ont été entamés le 28 août 2017 et seront livrés le 16 décembre. Ces travaux ont coûté 28 milliards, dont 25,2 milliards financés par le Japon. Toujours à la une, quatrième pont, recasement des propriétaires de maisons, les premiers logements prêts avant fin 2020. Il faut dire que c'est un grand projet de l'État de Côte d'Ivoire qui sera livré en août 2020. Et ce projet, cette infrastructure de 7,2 kilomètres, a permis donc de permettra à terme un trafic de 42 000 véhicules. Et donc les populations qui vont être endommagées, c'est une très très bonne nouvelle pour ces populations. Toujours au niveau de la une, on parle de lutte contre la pauvreté, un financement complémentaire obtenu pour les couches vulnérables, un accent mis sur la santé également à la une de Fraternité Matin. Le gouvernement investit dans les technologies électroniques et l'un des derniers titres, on dira présidentiel 2020, meeting de Yamoussoukro, RHDP, les clarifications d'Adama Bictogo qui est le directeur exécutif du RHDP, le parti au pouvoir. Thomas, nous restons toujours sur ce quotidien. Nous voulons en savoir un peu plus sur son histoire aujourd'hui. Quand est-ce Fraternité Matin a vu le jour? Alors, Fraternité Matin a 55 ans d'existence, né le 9 décembre 1964 par la volonté du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui s'était rendu compte que le développement d'une nation passait inéluctablement par le développement de la presse. Aujourd'hui, à 55 ans, Fraternité Matin aura produit donc plusieurs titres et s'illustre comme le quotidien gouvernemental qui a le plus de ventes, également qui a le plus de tirages. En 1963 déjà, le président de la République Félix Houphouët-Boigny a bien voulu que des jeunes Ivoiriens aillent en France pour se faire former justement pour l'installation de cette presse en Côte d'Ivoire. Donc le 9 décembre prochain, il y aura la célébration de ses 55 ans. Fraternité Matin est dirigée aujourd'hui par M. Venance Conan qui est le directeur général. C'est donc un tabloïd qui est donc tiré avec 32 pages. Alors Thomas, aujourd'hui, comment se présente le paysage médiatique ivoirien? Alors le paysage médiatique ivoirien, il faut le relever, est varié et très très diversifié. Depuis 2017, il y a eu une étude diagnostique qui a permis au Conseil national de la presse, aujourd'hui appelé Autorité nationale de la presse, de pouvoir relever, enregistrer 114 publications régulières, dont 23 quotidiens et 51 hebdomadaires. Au niveau de la presse en ligne, on note 59 supports sur Internet, dont 41 journaux en ligne. S'agissant de la radio, nous avons 5 radios privées commerciales et 165 radios privées non commerciales, parmi lesquelles il y a des radios de proximité, des radios communautaires et il y a des radios de type école. S'agissant de la télévision, il y a 3 chaînes nationales en Côte d'Ivoire et à côté de ces chaînes nationales, à la faveur de la libéralisation de l'espace audiovisuel, le gouvernement donc a donné l'accréditation à 4 chaînes privées pour pouvoir donc émettre, et ces chaînes vont émettre sous peu. Parlons brièvement de l'agence ivoirienne de presse, qui est la première agence créée en Côte d'Ivoire depuis le 2 juin 1961. Donc c'est l'agence ivoirienne de presse qui est la plus grande en ce moment en Côte d'Ivoire. Belle leçon d'histoire. Merci Stéphane.